Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, c'est Mr. Fighter. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, simplement, il vient de traiter des icônes swap qui sont sortis déjà la semaine dernière. Je voulais faire une vidéo plus tôt, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Je vous en ai parlé sur mon TikTok, qui sera disponible dans la description pour ceux qui veulent me rejoindre sur TikTok, là où je poste pas mal de posts. Donc là, simplement, on va parler bien des icônes, ce que c'est, comment en avoir, et si c'est vraiment intéressant de les faire. Donc simplement, dans les objectifs en premier, on est dans les paliers, et là vous pouvez voir qu'il y a des échanges d'icônes et échanges qui sont apparus. Donc là, on a icône La Liga, icône Serie A, et on a également un PL. Donc en fait, ce sont des objectifs qui vont nous permettre d'avoir des jetons et icônes. Ces jetons et icônes, on va pouvoir les échanger pour des récompenses. Je vous expliquerai après quelles sont ces récompenses et les tenants aboutissants de celles-ci. Donc là, en fait, il va falloir sûrement faire des matchs là, pour ce défi en clash d'équipe et en foot champion. Et après, là, il faudra faire des matchs en un championnat avec La Liga, Serie A et PL que j'ai déjà fait. Et il faudra remplir quelques défis et ça nous permettra d'avoir des jetons. Ces jetons, à quoi servent-ils? Tout simplement, je vais vous montrer à quoi ils servent et pourquoi il faut les faire. Donc on va dans défi création, échange, swap pour ceux qui ont joué en anglais. Et on va pouvoir les échanger contre bien des packs ou des icônes. Ou même des packs icônes. C'est ça qui est vraiment intéressant à la team et c'est pour ça que je vais faire une vidéo. Donc j'ai vu pas mal de personnes de mon Discord communautaire qui sera également dans la description pour ceux qui veulent le rejoindre. Échanger pour des packs 82 et packs 83. Personnellement, je vous conseille de prendre plutôt 82 que 83 car pour deux jetons, on tente d'économiser, honnêtement. Et là, en fait, vous aurez bien 25 joueurs rares, 82 ou plus dans un pack. Et là, dans celui-là, 25 joueurs rares, 83 ou plus contre 5 jetons. Donc, il faudra juste faire les défis. Et tout ça, c'est gratuit à team. Ça, c'est vraiment important de noter. C'est gratuit. Il vous suffit de faire les défis qui vous seront proposés dans les objectifs. Et vous pourrez obtenir ces packs. Vous avez déjà sûrement eu un jeton gratuit lorsque vous avez lancé le jeu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et là, en fait, vous aurez... avoir des gros joueurs, des héros. En ce moment, il y a les icônes prime qui sont disponibles, donc vous pouvez vraiment pas que tu très très lourd. Après, si vous voulez être un peu plus sûr et safe, vous pouvez seulement économiser vos jetons. Actuellement, je crois qu'on peut en avoir 9-10, si je me trompe pas, si j'ai bien compté environ. Et normalement, on pourra en avoir d'autres d'ici 25 jours. Enfin, du coup, 25 jours, il doit rester 29 jours à peu près. Alors, vous verrez la vidéo. Car quand c'est sorti, il y avait 25 jours pour les objectifs, et après, ça va être remis à jour. Il y aura de nouveaux objectifs. Et c'est sûr qu'en tout cas, on peut avoir jusqu'à 17 jetons car on a ce pack là qui, selon moi, est le plus intéressant. Attendez, je vais vous trouver. C'est voilà, choix icône base, moyen prime, excusez-moi. Donc pour 17 jetons, vous allez là et vous placerez vos jetons. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Tac, on va aller sur le banc. Tac, on va dans le niveau, on va dans icône, échange icône. Tac, et là vous avez des joueurs, vous montez n'importe où. On s'en fiche, et bien du collectif, là c'est juste full nombre de joueurs. Et vous pourrez avoir un pack où vous aurez bien deux icônes au choix. Vous devrez en choisir une sur les deux, tout simplement. Et ça peut être soit une icône base, soit une icône moyenne, soit une icône prime. Donc vraiment, c'est du très très lourd et c'est gratuit. Donc vous pouvez pack facilement dans les packs icônes des icônes à plus de 1 million, voire 2 millions facilement. Donc voilà pourquoi, selon moi, c'est important de les faire. Et c'est pourquoi je suis en train de les faire depuis plusieurs jours. Là, ceux qui me suivent en stream, car je stream régulièrement étant donné que c'est les vacances. Donc il y a beaucoup de streams qui sortent. Vous devez sûrement me voir en mode mec qui fait que tryhard les icônes. Mais c'est important à team. Donc les swap icônes, c'est vraiment très important. Après, il y a également un nouvel objectif, un nouvel événement qui est sorti pour Noël, dont je vous parlerai dans une future vidéo qui risque de sortir demain à team. Donc moi, c'est une vidéo très courte et je vous conseille vraiment de faire les défis. Donc je vais vous montrer de quoi les défis plus en détail. Donc pour les plus gros là, échange d'icônes, il faut simplement une équipe d'Asie, une équipe d'Argentine, une équipe du Brésil, une équipe argent. Et vous devrez faire des matchs avec cette équipe et les gagner en foot champions, à niveau champion minimum. Ça peut être un peu dur pour ceux qui ont un peu du mal, mais au moins forcez-vous, faites les matchs. En plus de ça, vous allez faire vos matchs pour avoir des grosses récompenses dimanche en clash d'équipe. Et là, vous gagnerez, en plus de gagner des packs, des jetons icônes qui vous permettront d'avoir des gros packs, soit les packs... pour du 82 ou plus, voire 83 ou plus, soit les packs icônes que je recommande, car personnellement, moi je trouve que c'est le plus lourd, car on peut vraiment avoir du très très lourd dans et du concret. Et en plus de cela, c'est ce que je vous montrerai en vidéo à team. Donc voilà, je vous tenais à vous parler de ça, car selon moi c'est très important. Donc merci à ceux qui sont restés ici, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, à me follow et activer la cloche, à mettre un petit commentaire, car ça m'aide pour le référencement, ça aide concrètement la chaîne et ça ne coûte rien. Le petit like aussi si vous pouvez à team, le petit pouce bleu. Mon TikTok sera dans la description. Merci à tout le monde, c'était Mr. Fighter. Ciao ciao à la team.